Kutaro avait désarmé le général dragon. Mais le roi ours possédait désormais un pouvoir inouï et la sorcière était toujours entre ses griffes. Qu'allait donc faire notre héros? Tout est en place pour le dernier acte de l'aventure de Kutaro. Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier acte des aventures de Kutaro, comme vient de le dire le docteur, enfin le professeur, pardon. Donc dernier monde du jeu. Je pense qu'on le fera en deux épisodes, celui-ci. Et ça va être un monde assez sympa. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Alors, on va essayer d'avoir toutes les têtes aussi. Ça va pas être facile, mais on va essayer d'avoir toutes les têtes. Et on va avoir le dénouement de l'histoire, oui! Kutaro et Picarina étaient sur les talons du général singe quand se dressèrent devant eux les formidables sommets enneigés de la monstrueuse montagne. D'accord. Il ne manquait à Kutaro que le dernier fragment de pierre de lune pour libérer son âme de sa prison de bois et pouvoir retourner chez lui sur Terre. Mais notre héros avait l'esprit préoccupé. Il ne pouvait oublier que, grâce au général dragon et à l'horloge, le roi ours contrôlait désormais les âmes de tous les enfants de la Terre. Ça, c'est pas bien. Alors que le froid engourdissait ses doigts et ses orteils, il sentit naître en lui un sombre pressentiment qui se mit à lui enserrer le cœur de ses mains glacées. Eh ben, c'est parti, alors. On va essayer de récupérer le dernier fragment. Attendez, votre altesse ! Tout ceci n'est qu'un énorme malentendu. Ah, pas de bol, elle. Je vous ai dit que votre fourrure était particulièrement brillante aujourd'hui. Lèche-cul ! Épargne-moi tes boniments. Je sais parfaitement qui tu es. Tu as cru que tu pourrais me rouler dans la farine, hein? Mergrand! Eh ben, tu t'es trompé! Quand j'aurai avalé les âmes des enfants de la Terre jusqu'à la dernière, aucune déesse, ni même le soleil, ne pourra plus m'arrêter! Ah! Ouais. Il reconstituera la pierre de lune blanche et ramènera la lumière dans ce royaume de ténèbres. Espèce de plantigrade imbécile. Kutaro va te transformer en tapis. La fée. Tu vas te lancer, Kutaro. Non. Gagner, Kutaro. Ouais, je vais gagner. Non mais. Bon, c'est parti. Tu ne répareras jamais la pierre de lune, gamin. Jamais. Si, je le ferai. Espèce de ça macaque. Alors. Dès qu'il aperçut Kutaro, le général singe se mit à courir aussi vite que ses courtes jambes lui permettaient. On va récupérer des petits trucs, hein. Enfin, on va essayer, tout du moins. Essayer de passer en haut. Oula. Allez. Je me demande si ces stalactites sont pas sur le point de tomber. Ouais, bah pour l'instant, voilà. Je vérifie tous les trucs comme ça. Attention à ne pas glisser sur les plaques de verglas. Voilà. Bon, ici, y a rien. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Hop là. Ah oui, là. Bonjour, Madame Yeti. Moi, t'es mignonne. Ou pas. Ça a pas l'air solide. J'espère que ça va pas lâcher. Pourtant, tu voles. Ah oui. C'est une Madame Yeti. Une quoi? Madame Yeti. Voilà, en fait, là, pour avoir la tête de Yeti, donc c'est la tête de Yeti, il faut trouver toutes les Madame Yeti. Hop, tiens-toi. Là, la musique est épique. Et boum. Merde, loupé. Hop. C'est un gros, là. Encore des yétis? Ils dorment comme des loirs, dis donc. Eh bah ouais. Sache que les yétis hibernent, comme tout le monde. Hop. Faut que j'arrive à trouver tous les trucs.
Allez, voilà. Oui. Oh merde. Putain. Tu sais, certains affirment que le saut à ski était au départ une forme primitive de peine capitale. T'es même pas. Ok, pas cool alors. Ah. Mais non, pas deux fois. Reviens ma tête, reviens. Ouh, c'est du bol. Tiens, un cadeau là. J'ai pas capté, hop. Voilà. Là, normalement, tête de Yeti. Je crois que c'est la dernière Madame Yeti. Je suis pas sûr. Ouais. Et voilà. Yeti. Je t'ai vu, toi, t'es pas un arbre. Vous me rattraperez jamais. D'accord. On peut savoir ce que vous faites. Eh, t'es tout nu. Pneumonie ou quoi? Hop. On va voir ça sur le passage. À chaque seconde qui passait, la puissance du roi ours augmentait. Ouais, non. C'était une sentinelle rude et impassible. Mais Kutaro continuait à avancer. Allez. Malgré le froid qui l'envahissait. Il devait voilà. Constituer la pierre de lune blanche. Ouh, j'ai du bol. Fallait. Hop, voilà. Le tunnel est enseveli sous la neige. Oh, fichu macaque. Voilà. Allez, meurs, toi. Le général singe était rusé. Oui, encore lui. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'affronter Kutaro. Il avait déjà gagné. Non, il n'a pas gagné. Tant qu'il détenait le dernier fragment de pierre de lune. Finalement, merde. Ce n'était ni la force ni le poison qui donnait à Kutaro le plus de fil à retordre. Mais l'ingéniosité. Et ouais. Bon, allez. On se concentre. Si je me souviens bien, ça va être un passage assez chaud. Voilà. On récupère une tête. Des écureuils. Ouais, des écureuils. Ils se disputent pour l'avoir. Un pour deux, c'est pas assez. Yep là. Oh oui, c'est mignon. Y'a pas une tête? Non. Tant pis. Wow. Alors que Kutaro grimpait toujours plus haut. Ça sent pas bon ça. Bémolement fit place à un violent blizzard et des boules de neige de toute taille commencèrent à dévaler la pente. Du général singe, qui sait. Oui, une nouvelle tête. Yep. Merci petit passage secret. J'en peux plus de me faire persécuter par l'hiver. Ah, tu m'étonnes. J'ai la tête du bonhomme de neige. C'est mignon. Allez hop, continue. Espérons que ce soit pas des trop grosses boules de neige. Hop, voilà. On peut repartir. Ça va. Toi là-haut, je te hais. Ma tête. Non, tant pis. Oh la vache. Toi là-haut, je te hais. Mais je te hais d'une force. On vient de découvrir la cachette du Père Noël ou quoi? Ça doit être ça. J'imagine, cher public, que vous pensiez que les sapins, les guirlandes et les cadeaux, ce n'était que sur Terre. Oh, le sapin n'est même pas terminé. Mais bon, on va le terminer. On pourrait décorer, nous. Hop. Voilà. Et le petit nounours rose, et ben il va là-haut. Oui, un cadeau de Papa Noël. Oui. Oh, le gros radin. C'est aussi la crise au pôle Nord, c'est ça? T'aurais pu nous offrir du charbon tant que tu étais. Gros barbu à la noix. Oh, comment l'insulte au Père Noël. C'est pas très gentil. Le blanc recouvrait le paysage qui semblait s'étendre à l'infini. Le général singe, lui, restait invisible. Hop. On va le trouver, ton général singe.
Ah oui, hop, tête de Yeti. Sexy. Hé, repose le flambeau. Pas bien. Niveau bonus. Yeah. C'est sexe. D'où vient donc cette fascination qu'ont les humains pour ces créatures simiesques et pleines de poils se terrant dans les montagnes? C'est une bonne question. Le Yeti, ouais. Bigfoot ou le Sasquatch. Et n'oublions pas le Yeren chinois et l'Ibagone japonais, pour ne citer que les plus connus. Ouais. Ces êtres pourraient-ils n'être que des gros ours, ou les descendants du gigantopithèque, le plus grand primate de l'histoire? Le débat continue à faire rage. Mais une chose est sûre, ces créatures sont bien réelles et ne sont en aucun cas des histoires à dormir debout inventées par des mineurs paresseux qui cherchaient tête de mouton à grappiller un jour de congé, ni des canulars créés de toutes pièces par des alpinistes. Mais j'ai pas la tête de mouton. Et espérant se faire un peu d'argent de poche, ça c'est sûr. J'ai pas de tête de mouton. Bon, moi j'ai réussi. Ça c'est déjà un bon point. Bon allez, on continue. Je comprends pas. Comment on fait pour... Oui. En effet, l'escalier roulant du général singe n'allait que dans une seule direction. Celle des enfers. C'est sympa. Taro, continue de monter. Allez, écoute Taro, allez, vas-y. Tu peux le faire ou pas là. Oula, 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 oula. Hop. Faut pas que je saute trop, voilà. Non. Je vais t'avoir. Non. Je peux pas désactiver les singes. Ce serait mieux. Non, on peut pas. Bon, tant pis. Hop. Oh. Serait ça. Ne commencez pas, hein. C'est un gros macaque. Faut la tête du bonhomme de neige. Oui. Vas-y. Par le pouvoir de la boule de neige. Oh. Vous avez vu ça? La nature reprend toujours ses droits. Sympa. Par nature, notre héroïne fait référence à une nouvelle créée par la magie et par conséquent complètement contre nature. Non, la tête du sapin de Noël. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, voilà. Je vais juste changer de tête pour garder la tête du sapin. Je pense que ça peut être utile. Voilà, justement, c'est utile ici. D'accord. Le roi ours en Père Noël, ça le fait pas trop. Non, c'est la mort. Ouh, j'ai eu du bol. Pourquoi n'abandonnez-vous pas? Parce que... Là, si je me souviens bien, ça va être un... La suite est assez drôle. Suivi le général singe jusque dans les entrailles glacées. Alors, de la montagne. Du coup... ouais... Là, ça va être de la course, il me semble. Je peux avoir une tête de pingouin aussi. Ah, oh, je sais plus les têtes que je peux avoir, c'est chiant. Hey, un petit passage secret. Ah, intéressant ça. Hey, monsieur Loulours. Monsieur Nounours, debout. Voilà, c'est bien. Oui, content, monsieur Nounours. Je crois que je l'ai jamais eu. Avant. Hop, il y a un passage là aussi. Oula, on lui a fait peur. T'inquiète, mon beau. On va pas te mordre. Petit nounours. Hey. Je pense que si je libère tout le monde, je peux avoir une tête. On verra bien. Bon, allez, hop, c'est parti. On va le rattraper vite fait, ce
Donc alors, accélérer, ouais, ok. T'as un concurrent, Kutaro. Oui. Ah oh, bah t'inquiète. Yes. Oui, il a dépassé le point K. Vous avez vu ce départ impeccable? Et quel style! Ouais, je sais, je sais. Ah, le pingouin, voilà. Tête de pingouin. Oui. Derrière toi, un pingouin. Saute. Ouais, il s'est un peu planté là, le pingouin. C'était chaud. Qu'est-ce que... Oh la vache. Eh, hey, pas mal le coup de ciseau au milieu de la pente. T'as vu ça? Pour le biathlon ou quoi? Ouais. Oh, un mammouth. Rien de plus? Ok. Ah ah, je t'ai trouvé! Encore un mammouth. Eh ben non! Allez, s'il vous plaît, pas la mort, pas la mort. Je me mets là parce que on sait jamais. Des cristaux? Merde, 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 casse-toi, casse-toi, casse-toi! Pas de bol aujourd'hui. Il a survécu? Ah, t'attendras le printemps pour dégeler! Salut les gars! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, j'ai rien compris. C'est pas grave, on continue. Oula, une armée de pingouins! Pas bon ça. Pas bon du tout. Hop. Quoi? C'est devenu un sport d'équipe maintenant? Bah apparemment. Oh, on a réussi. Notre héros dégringola du sol. Ah mon dieu! Jusque dans la gueule brûlante d'un volcan. Ouah la vache! Oh, casse-toi! Oh, j'ai l'impression qu'il est encore vivant. Ouais. Alors, il y a une tête de cachet, il me semble. Et qui va m'être utile contre le boss. La tête du... Ouais, la tête du Yeti et du bonhomme de neige, on en a plus besoin. Voilà. Et si je me rappelle bien, il y a une tête de cachet. Une belle tête. Alors. Moi, que ce soit pas ici. Ah non, c'est tout en bas. Ok, autant pour moi. Autant pour moi, c'est tout en bas. Bon. Bah on y va. Youpi. Wow. Enfin une petite pause. Ouais, ça va pas durer longtemps. Saute, saute. Allez. Okay. La lave peut atteindre des températures 10 fois supérieures à celle de l'eau. Ah oui, d'accord. De quoi dissoudre instantanément un pantin de bois. Ah, t'arrêtes pas. Bandai. Kutaro zigzaguait à toute allure entre les geysers de lave brûlante. Allez, allez, allez. Yes. Ah, je suis encore pour... Ah! Putain, des boules de feu maintenant! Ah! Je t'avais dit qu'il était toujours vivant! Ouh! Voilà, c'est ici qu'il y a un truc. Il faut faire carrément le tour. Voilà. Et ça. Nom d'un chien! Ouaf! Tout le monde aura reconnu cette formation rocheuse. C'est de là qu'est partie la civilisation, l'intelligence de l'homme. Uh-huh. Ceci est un... C'est un rocher. Non, c'est un... Un rocher noir, tout à fait normal. Alors déjà, je vais tuer tous les trucs. Voilà. Et ensuite, je vais aller voir le rocher. C'est un monolithe. On risque rien à toucher un rocher noir tout à fait normal. Mais qu'as-tu fait? Prends la tête, Kutaro. On y va. Et là, une tête d'ovni. Maintenant, on peut affronter le boss. Tu pourras plus nous échapper très longtemps, Macaque.
Tu croyais que je m'échappais? Pas du tout, je m'échauffais. Une fusée? Tu as une fusée secrète? Il avait également une base volcanique secrète pour entreposer sa fusée secrète. Eh ouais! Tout savant fou qui se respecte. Voilà. Mais les lois de la gravité ne faisaient pas peur à Vigarus, qui s'éleva dans la stratosphère jusque dans l'espace intersidéral. Voilà. Allez, c'est parti contre le boss. Ça y est, c'est fichu. On est coincé là pour toujours. Ça a l'air marrant. Je peux jouer? Parce que tu crois qu'on s'amuse, là? Attends, Ying Yong, comment t'es arrivé là? Peu importe. La sorcière a été capturée par le roi ours. Vous devez la sauver. La sauver? Tu rigoles, là? Pourquoi on la sauverait? Elle avait l'intention de garder la pierre de lune pour elle depuis le début. Maintenant, au moins, elle nous empêchera plus de ramener la déesse et de renvoyer Kutaro chez lui. C'est ça. Je crois que l'arbre à chat te cache la forêt, ma jeune amie. Écoute, on a deux préoccupations pour le moment. Un vilain macaque et la pierre de lune. Est-ce que la sorcière en fait partie? Non. Alors, aide-nous. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Alors oui, ce passage... Faut que je choisisse un véhicule. Mais moi je prends ça. Ok, je choisis. Il nous a vraiment suivi depuis les grottes de glace. Voilà. Moi je veux ça. Et il y a les celle-ci est très bien. Il y a pas de truc particulier avec ce pingouin là. On va te traquer jusqu'au fin fond de l'univers. C'est juste le lol en fait. Le pingouin qui m'a attaqué tout à l'heure et qui est là pour m'aider. Ah, c'est juste ça. Des poulpes. Ah, des poulpes. Des poulpes de l'espace. Non, en fait, ce sont des martiens. Ah, c'est trop moche. J'en peux plus d'être entouré de moches, moi. Au nom de ce théâtre magique, je tiens à présenter mes plus plates excuses à notre public pour ce commentaire absolument inapproprié. Ouais. C'est pas deux. Kutaro avait atteint la ceinture d'astéroïdes. Tiens, étrange. N'est-elle pas censée se trouver entre Mars et Jupiter? Allô? Peut-être. C'est le pays des rêves. On peut peut-être prendre quelques libertés, non? Ouais, c'est juste un petit parcours, mais faut que je me concentre quand même à un minimum. Hein. Donc c'est pour ça que je parle pas tellement. Il n'y a voilà, surtout pour ça aussi. Dans l'espace. Il n'y a que la gravité. On pourrait même dire qu'il n'y a pas non plus de gauche, ni de droite, ni d'avant, ni d'arrière, ni d'hier, ni bien sûr de demain. Une pieuvre martienne. Eh ouais. Non, les poulpes viennent de Mars et les pieuvres viennent de Vénus. Ah, d'accord. Bienvenue dans la zone de téléportation. Oui. Genre l'effet dramatique. Hop là. Kutaro et Picari furent donc téléportés et émergèrent au milieu d'un cimetière de vaisseaux spatiaux. Ces merveilles d'intelligence et de technologie mutilées par le destin n'étaient plus. Allez, ça va le faire. Encore des martiens et des Vénusiens. La merde. Ils sont perdus dans l'espace. Un peu d'humanité, que diable. Moi aussi, je me cacherais dans l'espace si j'étais aussi moche. Je suis sûr que le Picarina qui en est mort pas. Karina qui en est mort pas, ils sont moches. En même temps, elle a pas tort. Ok, donc le bas c'est le haut et le haut c'est le bas. C'est ça. On risque pas de perturber le public avec ça? Si, un peu. J'invite à présent notre cher public à s'asseoir à l'envers pour pouvoir suivre l'action correctement. D'accord. D'accord. Téléportation lancée. Oui. Quoi? Ah putain, même là-dedans. Ouais. Cette ceinture d'astéroïdes va vous servir de tombeau. Je crois que je peux avoir la tête de singe. Il y a trop les jetons pour venir se battre. Ouais, viens te battre. Viens te battre si t'as un singe. Ok, on l'a presque rattrapé. Donc là, ça va être le... dernier tunnel de téléportation, il me semble. Je crois, hein. Après, je suis pas sûr.
Yes. Ce rocher ressemble vachement à un ovni. Oui. C'est le but. Voilà, tête d'ovni. Normalement, je peux le... Merde. Le nettoyer. Moi que ce soit après. Je pense que c'est après plutôt. Et là, ça va être complètement cheaté. Avec la tête d'ovni. Voilà. Hop. Voilà. Hop, maintenant, tête d'ovni. Et voilà. Voilà, normalement j'aurais dû esquiver ces missiles. J'aurais dû esquiver ces missiles, mais comme voilà, j'ai le champ de protection, ça sert à rien. Vous avez quelqu'un sur le dos. Scorpion, là, allez, astrologie. Donc toute cette agressivité. Scorpion aussi sait manier les ciseaux. Ouais. Allez. On voit ta deuxième vague de missiles et on n'en parle plus. Écoute, Aro là, il s'ennuie un peu. Voilà, normalement, ça aurait été ça, hop, et ça. Regarde, d'autres constellations. Il n'y a pas de honte à tourner en rond, Cancer. Oh, oh, oh. Ouais, il n'y a pas de honte. Vierge, méfiez-vous, vous êtes mêlée à une situation explosive. Ah, ah. Attention les vierges. Lion, saisissez votre chance. Foncez et bondissez comme un fauve. Hop là. Voilà la tête de singe. J'ai la tête de singe et moi j'ai des bananes. Comment je le troll? Allez, 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 youpi, youpi, youpi. Alors il est où? Ouais, allez. Même si le chemin vous paraît long, vous arriverez toujours à destination. C'est parti. Les derniers. Osez, poisson, n'ayez pas peur des coups tendus. Dans la et... vie vous malmène, Capricorne, osez couper le cou au problème. Et c'est parti. Ne perdez pas le nord, sagittaire. Voilà, c'est le dernier. Il va bien finir par tomber sous vos pieds. Alors, où en étais-je déjà? Ah, oui, taureau. C'est fini. Bon, ben voilà, on a battu tous les sbires du roi ours. Ah mon dieu, le soleil! On a le dernier fragment. Taro, on a réussi. J'y crois pas. Ouais! Pas une façon de parler, ça, jeune fille. Ça alors, ma fille unique, une lutine. Ne t'en fais pas, ma fiche, papa t'aime quand même. C'est la faute du roi ours de la lune. Il m'a jeté un sort. Je t'avais dit de laisser la lune s'occuper de ses problèmes. Est-ce que tu m'as écouté? Non, c'est vrai, mais je m'inquiétais pour la déesse lunaire. Elle a toujours été super sympa avec moi, tu sais. Oui, eh bien, elle a eu ce qu'elle méritait. Je l'avais prévenue. Méfie-toi du côté obscur de la lune. Ne tourne pas le dos aux ténèbres. Mais non, je veux l'harmonie. Que la lumière et les ténèbres soient égaux. Bon. Mais papa, Kutaro et moi, on s'est donné du mal pour trouver les fragments de pierre de lune. Ouais. C'est des histoires de Dieu, Bichette. C'est pas sa faute à ce petit gars. Je sais, je sais. Bon. Écoute, je vais aller lui dire deux mots à cette ours de la lune, lui secouer un peu les puces et aller sauver la déesse. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben allez. Ça serait éblouissant. Le dieu soleil va attaquer la lune. Et perdre. On trouvera une autre lune, ma puce. Je sais pour rien en fait. Ok, on se passera de ton aide. Tu viens, Kutaro? C'est ainsi que, plus déterminés que jamais, Kutaro et Picarina quittèrent le flamboyant centre de la galaxie pour affronter une nouvelle fois les ténèbres de la nuit. Ouais! Et on va continuer, hein?
J'espère que ça va pas être trop long. J'espère. On verra bien. Avec l'aide de Calibrus, Kutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, ouais, bon, Kutaro, ça, les âmes habituelles. Oh, j'en ai pas mal. Déjà en route pour la Terre. 430? Pas mal. Je trouve ça pas mal du tout. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, le jeu. Donc, je vous passe le résumé. On s'en fiche. Enfin, voilà. Et à présent, continuons notre aventure. Donc, il y a 4 têtes à récupérer. Ça devrait pas être très long. Je pense. Malheureusement, le retour de Kutaro fut accueilli par une vision d'horreur. Wow. L'éclatant Castel Blanc était prisonnier des villes vignes, des villes vignes, affreuses lianes du château de Grismine, et arrimé à la lune tel un navire fantôme sur les eaux noires d'un océan sans fond. Eh ben d'accord. Une armée de larves s'apprêtait à prendre d'assaut l'étincelante demeure de la déesse pour la réduire en miettes. Bon, eh ben on va aller sauver tout ça. Grâce aux fort pratiques escaliers solaires, Kutaro et Picarina étaient à nouveau sur la lune ferme. Le Castel Blanc, il ne tiendra pas le coup longtemps. Il faut qu'on ramène la déesse, et tout de suite. Et donc, tu as une idée? Tu crois qu'il nous faudrait de la super lunaire? Peut-être. La seule chose que j'aime plus que le pouvoir, c'est encore plus de pouvoir. Même le soleil ne peut plus rien faire, mais ce n'est pas fini. Il m'en faut plus qu'on me donne tout le pouvoir. Ça y est, il pète un câble. Kutaro, dépêche-toi. Ah, il a bien grossi. Comment vont nos héros? Génial. Avez-vous récupéré le dernier fragment? Évidemment. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait le mode d'emploi avec. Pourquoi faire? Tu ne parles pas le lunéen, de toute façon. Il faut que vous rejoigniez le Castel Blanc avant qu'il s'effondre. Bah oui, parce que là... Toutes les âmes qui vont dans le château, là, c'est pas... Nos héros parviendraient-ils à débriser la pierre de lune? Et à débriser? Cela suffirait-il à ramener la déesse lune? D'accord. Bon. Donc du coup... Kutaro et Picarina se trouvaient au pied des vignes qui emprisonnaient le Castel Blanc. Il va falloir faire confiance à Ying Yang et entrer dans le château. Eh ben on va rentrer. Un passage dans les nuages de gaz qui sortent des lianes. Nos héros grimpaient aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils devaient atteindre le Castel Blanc avant qu'il ne s'effondre. Oui, ce serait sympa. Voilà. Oh, wow. C'est un Hérodel 21 Mirage, non? Oh mon dieu! Oh, dommage, il est parti. Vous êtes censé raconter ce qui nous arrive à nous, espèce de geek. Oh, espèce de geek. Vaillamment, Kutaro fonça entre les rayons mortels des villes. Ouais, bah, une minute. Il savait que les pouvoirs du chevalier repousseraient les dangers. Hop. Merde. Je me suis loupé. Les monstrueuses lianes, comme animées par une volonté propre, entravaient les mouvements de Kutaro. En même temps, ils vont pas me laisser faire, ce serait un peu trop simple. Wow. Voilà, hop. Normalement, on n'est pas très loin là. L'Hérodel 21 Mirage, aussi surnommé l'ours des cieux. Ouais, d'accord. Regardez-moi cette ligne, ces ailes aérodynamiques. Achetez-vous un modèle réduit, sérieux. On essaie de s'en débarrasser, là. Une tête d'avion. Tout ce qui passe à une œuvre d'art, et tout ce à quoi vous pensez, c'est la détruire. Bah ouais. Voilà. Les infectes fleurs de tel rayon étaient protégées par un bagage aussi épais que celui des chars Kuma. Infectes fleurs? Alors c'est ça, Laurent? Yeah. Et pourquoi vous attendez la fin de l'histoire pour nous le dire? Ouais, là j'avoue que... T'assures pas, mon grand. Hé, hey, Kutaro, regarde! Le Castel Blanc est juste au-dessus de nous! On y est presque! Ouais!
Allez. Ours des cieux. Oui. C'est un escadron complet en formation parfaite. Et là, voilà les paralarves. Ouais, super. On a carrément une armée aux fesses. Voilà. Ouh. CQ, CQ. Kutaro, rejoignez le point whisky. Je répète, rejoignez le point whisky. Whisky. Ouh. 5 sur 5, dingo. Voilà. Ok, donc là. Non, je voulais pas faire ça. Je vais atterrir sur la fleur. Voilà. Comme ça. Oh non. Quelle terrible catastrophe. Ouais, alors là non. C'est un niveau bonus. Donc non. Quoi votre problème? Allez, on peut aller voir au moins. Non. Kutaro pourrait voler jusqu'au Castel Blanc. Bon, ok. Enfin, mais pas longtemps, Kutaro hein. Était arrivé non. Au pied du Castel Blanc. Mais que restait-il du glorieux bâtiment? Eh ben, on va le voir. Parce qu'en plus, on a un boss à la fin. Eh ouais. Vignes avaient étendu leur emprise jusque dans les galeries du Castel Blanc. Le temps était compté. Hop. Fonce jusqu'au sommet, Kutaro. Il faut qu'on reconstitue la pierre de lune. Et hop là. Tous les fragments. Peut-être qu'on est censé les imbriquer dans les murs. Ok. Plus que 11 à caser. Allez, encore 11. Hop, c'est pas grave. Même là, c'était déjà une racaille. Oh, les jeux de mots pourris. Hop, voilà. Vive du pâté de Fine-Vigne, un amateur. Un mini serpent, c'est quand même un serpent. Ouais. Hop. Allez, Kutaro! Oh, c'est horrible! Aïe, aïe, aïe! Ouais, non, là, j'ai pas... Désolé. Ma culpa. J'ai paniqué, là. Voilà. C'est horrible! Hop, allez. Meurs. Ah, c'était mouton. Tout comme un agneau, mon ouais. Un autre fragment d'allumé. Ça existe pas les cochons maigrichons, hein? Si. Bon là, il faudrait un peu une tête en fait. Là, je risque de crever dans pas longtemps. T'as une bombe derrière toi, voilà. Hop, tiens, cadeau. Ah là, une tête. Yes. Oh, moi aussi, je veux une cisse. On a fait la moitié. Allez. On a la moitié, apparemment. Il n'y a plus qu'à se grouiller. Ouais, c'est clair. Voilà, donne-moi. Encore ces fichus villes vignes. Il faut que tu les détruises. Hop. Allez. Voilà. Non, là, là. Oh, je voudrais trop un petit chien. Bah non. Que nenni, princesse. Ouais, dans ta face, Fine-Vigne.
moi un bon singe. C'est un singe qui s'occupe de ses bananes. Point barre. Ouais. Tout à fait d'accord. Ah, tiens, tête de singe. J'ai jamais fait ici. Je sais pas ce que ça va entraîner. D'accord, des bananes. Ouais, ok. Ça fait juste ça. Ah, excusez-moi de vous couper comme ça. Ah, salut. Mais j'ai rancard avec la dame en vert. Et demi-tour. Ah. Au revoir, Moussaillon. Merci. Ah, d'accord. On continue. Pour aller plus vite. Ok. Pourquoi pas. Je vois pas pourquoi il y a des bananes partout. Je vois vraiment pas. Peut-être pour les ennemis, j'en sais rien. Et ça va être dragon. Ou coq, je sais plus. Hop. Dragon. On va la réparer, la pierre de lune. Il fallait que la lumière atteigne. Quoi encore ? Comment ça, il manque une partie de l'image ? C'est pas vrai ! Et en plus, elle est hors de portée ! Comment on va faire ? Comme ça ! Oui ! Ça plaît ? Bouffe mon rayon laser ! Je crois qu'on a trouvé la source du problème. Il reste plus qu'à la sécher. Oh la vache ! Allez, c'est parti contre le boss. Vaillamment, Kutaro suivit les villes vignes jusqu'à leurs racines dans les entrailles du château. Oh, ce truc est carrément... On est coincé. Oups. Recommence en partant de plus haut. Ouais. Hop, c'est parti. Et là, normalement, je peux avoir une tête complètement pétée. Attends, hop, voilà. Là-bas, il y a une salle. Non. Parce que normalement, on peut avoir la tête de la déesse lunaire, carrément. Et là, je vous jure, c'est complètement pété. Des lianes, encore des lianes. Ça me rappelle cette affreuse cage où j'étais enfermée. Voilà. Et voilà. Allez. Les villes vignes possèdent deux bulbes. Il faut y faire particulièrement attention au moment du rempotage. D'accord. Essayer de les couper avec des ciseaux, par exemple, serait une très mauvaise idée. Eh ben tant pis. La lumière est de plus en plus forte. Ces saletés doivent pas faire les fiers là-haut. Y'a pas un passage par là, non? Non, y'a rien. Eh, c'est reparti. Voilà le boss. Oh, sérieux ? Ça devrait pas être permis d'avoir autant de yeux. Fais quelque chose, Kutaro. Bah j'essaye hein. Donc ouais non, la tête de la déesse lunaire, normalement c'était avant. C'est quoi ce bordel ? Un carrousel ? C'était la salle de jeu des bébés animaux. Mais depuis que les villes vignes l'ont envahi, on se croirait dans une fête foraine pour Gotti dépressif. Ouais, un peu, ouais. On les élimine et après on fait un tour de manège. Allez ! Non. Voilà, allez, encore deux yeux. Wow. Merde. Hop. Il faut que je remette la lumière. Voilà. Ouais, je vois ça. Wow. Non, 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 non. Aïe. Et je me cache, je me cache, je me cache, je me cache, je me casse. Merde, 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 et merde, je suis mort. Ah, dommage. Dommage parce qu'on avait bientôt fini en plus. Mais alors, où est la tête de la déesse? Bon, là, j'aurais pu, c'est clair.
C'est clair que je l'aurais plus du tout. Non mais lol. Tiens toi, bouffe. Encore coincé. Bon. Voilà. Ok, plus que toi. Non. Aïe. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-haut? Banzaï. Oula. Ah désolé. Je suis vraiment désolé pour vous. Ouais. Oh. Une autre salle. Oh la vache. Ah ça débouche les narines. Hop. Allez, on va finir ça vite fait, bien fait. Normalement, on n'en aura plus pour longtemps. Voilà. Et voici l'autre bulbe. L'autre bulbe. Alors là, par contre, il y a un ordre. Voilà. Alors. Si vous tenez à vos villes vignes, assurez-vous de ne surtout jamais abîmer. Non, c'est celui-là, c'est pour celui-là. Voilà. Donc chaque bulbe, en fait, chaque rose. Merde ! J'avais plus de pouvoir. Faut que je repasse dans le bleu, Lui, c'est pour là-haut. Non, mais. Oh, putain, je fais n'importe quoi. Et bouffe ça. Donc là faut au moins que je sois dans le bleu. Voilà. Et maintenant, désherbons notre jardin. C'est première parti. Préparez ces ciseaux. Deuxième étape, taillader ces saletés de bulbes. On peut faire un tour de manège. Non. Je sais pas s'il y a un truc d'ailleurs avec les. Hey, ah ouais. Pendant que Kutaro et Picarina luttaient avec acharnement contre les villes vignes, les larmes. Non ! Mon joli manège ! Ah bah, pu. Ouais, maintenant faut que je dégomme ce truc. Et là, il y a tous les yeux qui vont s'ouvrir ? Ces non yeux là ! Ils sont toujours aussi flippants ! En fait, je crois qu'ils me regardent ! Bah oui. Non, tu t'en vas. Je peux pas les tuer avec ça. Non, je peux pas. Au moins. Wow. Voilà. Allez, viens, toi. Il n'y a plus qu'un œil. Wow. Voilà. Il est mouru. Je crois qu'il est mouru. Ou pas encore, en fait. La vache ! Cette vieille plante devient mauvaise quand on s'en prend à ses bulbes. Et maintenant, le coup de grâce. Et allez, c'est parti. On va lui niquer sa gueule. Merde. J'avais pas vu qu'il fallait sauter. Les villes vignes, voilà. Ces abominables monstruosités végétales avaient été anéanties par Kutaro. Nous yeah allons enfin pouvoir restaurer la pierre de l'homme. Enfin, et on se quittera là-dessus. En dépit des ignominieuses manigances du roi ours, la pierre de lune allait être reconstituée. La pierre de lune rayonnait à nouveau de sa lumière pure. Alors que celle-ci se répandait sur la lune, le castel blanc retrouvait son pouvoir disparu.
L'espoir était revenu. Que m'arrive-t-il? Yeah. Kutaro a-t-il enfin... Oui! Je me souviens à présent! C'est moi! Je suis là! Mon bien-aimé nounours, me voici de retour! Je vais mettre à terme à tes machinations! L'équilibre doit être rétabli! Dans tes rêves... Laisse-moi sortir de là! Oui! Je te l'ordonne! Eh ben... Miroir, miroir magique, quelle est la plus puissante créature? Tu sais qui est le plus puissant? C'est Kutaro! Donc en fait, est-ce ma pote était depuis le début de la déesse lunaire? Et on s'est cassé le cul tout du long pour ça? D'accord. Allez, sur ce, on va se laisser. Donc, c'est un épisode un peu long, je suis désolé. On va se laisser et on se retrouvera très bientôt pour la fin de Pewpeter. Espérons que ça vous plaise toujours et que cet épisode vous a plu surtout. Et bah, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien et puis à la prochaine.